le serviteur qui ne voulait pas pardonner. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paye sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et lui dit « Sois patient avec moi et je te rembourserai tout. » Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit, il lui serre le cou et lui dit « Rembourse ce que tu me dois !» Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant « Sois patient avec moi et je te rembourserai. » Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et il lui dit « Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là, en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute, « Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. » Que Dieu vous bénisse abondamment.